un nouveau 24 heures qui est 24 heures sur mon bureau. Coucou à tous. Alors oui, on n'a encore jamais vu ce 24 heures sur YouTube. Donc on a pensé à faire ce 24 heures. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Tu es prête? Oui. Donc 24 heures sous ton bureau? Oui. Alors, on a déjà commencé à préparer. Voilà, hop, ton petit coin pendant 24 heures. Donc, tu as le droit à tes écrans. Oui. Bon, pas la télé, parce que de là, tu ne verras clairement pas la télé. Mais tu peux prendre ton téléphone. Merci. Et ta Switch. Ok? Oui. Donc, on commence, il est 13h. Et je vais t'apporter ton repas. D'accord. Donc, tu vas sous le bureau et puis on commence. Bon, alors, voilà ton repas. T'es bien là-dessous? Oui. Ouais. Donc voilà, poisson pané frites avec sauce ketchup mayo. Voilà. T'es un peu serré, mais. T'es un peu serré? Bah, on peut pas l'enlever le meuble parce que t'as ton décodeur qui est dessus. Donc après, le décodeur, sinon, faut que je le mette sur le bureau. Oui. Donc je vais voir ce qu'on peut faire. Sinon, on va essayer d'enlever le meuble noir, ok? Donc bah écoute, je te laisse manger pour l'instant. Moi, j'ai un truc à faire, donc je dois y aller. Et bah je reviens te filmer après. Oui. Donc là il est 13h30 et donc bah jusqu'à demain 13h en fait hein. Oui. Comme on a commencé à 13h. Bon bah à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon appétit. Bon appétit. Je te ramène à boire car j'ai oublié à boire et puis bah voilà. Ouais. Bon sinon Kélia. Oui. Ça va? Oui, ça va. Bon alors j'ai enlevé le meuble noir qui était là, comme ça tu as plus de place. Oui. Voilà, je l'ai mis ici en attendant. Donc sinon c'est bon, t'as plus faim? Oui. Non, c'est bon, t'as plus faim? J'ai plus faim. Ok, bon, tu fais quoi là alors? En fait, j'ai un appel avec Shona. Avec Shona. Coucou Shona. D'ailleurs, elle a une chaîne YouTube. Oui, donc on vous la mettra. En barre d'infos. Voilà, si vous voulez aller voir les vidéos qu'elle fait. Bon, bah écoute, je te laisse. Tu veux faire quelque chose peut-être? J'aimerais bien faire du slime. Faire un slime? Oui. Ok, bah écoute, je vais t'apporter tout ça. Donc, je disais, il est déjà 14h30. Déjà? Ouais, déjà. Donc, bah écoute, je débarrasse tout ça et je t'apporte tout ce qu'il faut pour faire du slime. Et proprement. T'en mets pas partout. Alors, du coup, en couleur, Shona, j'ai du orange. Bon, alors, voilà, elle a plein de couleurs. Elle a de l'acide de... Du borax. Ouais, du borax. Voilà, acide borique. Hop. Et donc, t'as plein de colle. J'ai du vert. Et t'as plein de couleurs. Du jaune, du rose, du... Donc, c'est Shona qui décide, en fait, c'est ça? Du rose pailleté, du bleu, du vert, du orange pailleté, du violet pailleté. Tu voudrais quoi comme couleur? Non, j'ai pas de rouge. Okay. Ouais, il y a du orange, je crois. Il y a même du orange pailleté. Orange pailleté ou orange fluo? Et je crois qu'il y a un bleu pailleté. Oui. Hop, celui-ci. Le bleu pailleté? Ok. Ok, donc ça c'est choisi. Et maman, je pourrais avoir mon colle support. Transparente? Oui. Y en a une qui est entamée là, regarde. Maman, hop. Je pourrais avoir mon support de téléphone? Ouais, je te donne ça. Il est juste là. Voilà, bon, et là aussi, sinon, elle a tout ce qui est paillettes. Voilà, donc bah, elle a ce qu'il faut. Hein. Du bon. Coup, ça te va que je fasse un vert pailleté, un mélange. Ouais, donc tu vas mélanger bleu pailleté et jaune pour faire du vert, c'est ça? Ok, d'accord. J'espère que tu auras assez de colle là, sinon bah, on en prendra une autre. Bon, mais... alors je vais un peu essayer de ranger. Ouais, hein, c'est un petit peu le bazar. Hein. Bon, alors aussi, je voulais préciser, nous, on prend vraiment que du Cléopâtre. Donc voilà, c'est l'école transparente Cléopâtre. On a aussi l'école blanche Cléopâtre. Et donc, les peintures, voilà, comme ça, Cléopâtre. Vraiment, il y en a plein. Donc, bah, en tout cas, on les remercie de nous avoir envoyé tout ça. Oui. C'est vraiment super chouette. Et il y a des pailletés, il y a des fluos, il y a vraiment plein de choix. C'est vraiment Pour commencer un slime, il faut mettre de la colle. Tu sais pas faire un slime, Shona? Non. Bah, c'est quoi ça? Bon alors. Et ça marche pas. Bon alors. Du coup, je mets de la colle. De la colle transparente. Parce que je vais vider la. Oui, vas-y, vide la bouteille. Ensuite, alors, on met de la peinture. Voilà, donc après la colle, on met bah, la couleur. Donc des paillettes, de la peinture, vraiment ce qu'on veut. Alors du coup, là, je vais mettre le bleu. Du bleu pailleté, il est trop beau en plus. Mmh. Attends, je vais t'aider si tu veux. Mmh. Pour qu'elle puisse voir.
Oula. Voilà. Vas-y, je pense que ça devrait suffire. Et du jaune. Et du jaune, donc pour faire du vert. Et là, c'est un jaune bien fluo. Et maintenant, je vais mettre du jaune. Hop, j'espère que tu vois bien. Voilà. Hop, et ensuite, on fait quoi? Ensuite, on mélange. Et du on coup, mélange. Là, j'ai mélangé. Si j'ai pas assez de jaune, bah, du coup, je vais en rajouter. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc, vas-y, mélange. Et ça devrait former un vert. Alors, waouh, il est trop beau. Oh, j'adore, ça fait un vert sapin. Ouais, ça fait un beau vert. Ah, du coup, je vais te le montrer. Trop canon. Je vais mettre du borax, du coup, je vais mettre une pipette d'abord. Alors, on met vraiment petit à petit le borax. Parce que s'il y en a trop, après, vraiment petit à petit. Bon, alors là, on peut voir que ça marche bien. Du coup, bah là, je vais mettre une pipette. Ouais, tu peux en mettre d'autres encore. Hein. Donc, voilà. Et petit à petit, on rajoute du borax. Hop. Voilà. Hop, tu vois, Shona? Ouais. Du coup, j'ai mis toute une pipette. Hein. Et après, je mélange. Et t'as vu? C'est incroyable. Et ça marche. Aussi, toi, c'est de la lessive. Je crois que c'est de la lessive ultra totale. J'avais déjà essayé avec une autre lessive et ça marchait. Mais là, ça marche pas, en fait. Nous, on n'a jamais testé que la lessive encore. Hein. On n'a jamais fait la lessive. Je pense qu'il faut une lessive spéciale. Hein. Ouais, je pense aussi. C'est une lessive ultra totale. Ou c'est extra, je crois, je sais plus. Oui, extra totale, un truc comme ça. Parce que moi, j'utilise de la Ariel et ça marche pas. Ah bah faut que tu changes de lessive alors. Donc voilà, slime réussi. Si. Et j'adore la couleur. Oui, moi aussi, ça fait vert sapin. Ouais, vert sapin mais pailleté. Oui. Il est trop canon. Tu dois bien me donner deux boîtes. Ouais, pour le mettre dedans. Il est trop beau la couleur, j'adore. T'as vu? Il est énorme en plus, hein. Oui. C'est pas un petit slime que t'as fait là. Et on a eu besoin de... Une, deux, trois. Bon, alors j'avais plus de batterie. Donc combien de pipettes? 4, ok. Et donc Kélia, elle met tous ses slimes dans des petites boîtes comme ça qu'on trouve chez Action. C'est pas cher. Ouais, vraiment pas cher du tout. Et donc bah voilà, elle met tous ses slimes dedans. Il est trop beau. J'adore le bruit. Bon, alors maintenant, elle veut en faire un avec de la colle blanche et de la peinture rose pailletée. Et on va voir ce que ça donne. Hop, je te laisse mettre. Ça coule pas? Appuie plus fort. Voilà. Mais oui, il est trop beau! J'adore la couleur. C'est bien beau d'avoir une photo, mais bon, j'ai pas d'autographe. Faut mériter pour avoir des autographes. Maman, il faut que tu enlèves ça. Maman, dans chaque, il a un trou. C'est vrai? Il a un trou. C'est trop beau! Okay. Bon, alors là, elle a rajouté des paillettes argentées et des paillettes violettes. C'est ça. Bon, hop. J'en rajoute un peu, hein. Oh là 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 là, trop de paillettes. Mais non! Bon, alors, on avait oublié de mettre la mousse à raser. Oui. Car on mettait du borax, mais ça faisait rien du tout. Donc, ouais, quand on met la colle blanche, faut mettre de la mousse à raser en plus. Et donc, ça fait un slime fluffy. Et en plus, il est XXL. Et il est bien réussi. Hein. Il est énorme. Je sais même pas si ça va rentrer dans mes petites boîtes. Ouais, je sais pas. On le mettra en deux fois, sinon on attend deux boîtes. Mais il est bien réussi, il colle pas? Oui, il colle plus. Eh ben, écoute, super. Donc voilà, le slime fluffy. Et il est bien réussi. Il est XXL. Avant, il était petit. À mon avis, il est XXL à cause de la mousse. Ouais, il est devenu énorme. Vous avec la mousse la à raser. Fluffy. Moi aussi. Je préfère les slimes fluffy, moi. Oui, moi aussi, c'est pareil. J'aime trop. Bon, moi, il me colle un petit peu encore. Mais toi, il colle plus. Non, mais est-ce que tu peux avoir deux boîtes, du coup? Ouais, je vais te donner des boîtes. Parce que là, dans une boîte, ça rentrera pas. Oui. Donc, je vais te donner deux boîtes. Pour le mettre dans les boîtes. C'est vraiment, vraiment très utile ce genre de petite boîte. Si vous faites des slimes, vraiment, oui. C'est très utile. Bon, bah écoute, je te laisse jouer avec ton slime. Oui. Il est déjà 15h30. Déjà? Et ouais, donc bah écoute, je te laisse. Oui. Et bah je reviens te voir après. D'accord, pour le goûter? Ouais, pour le goûter. Voilà, c'est parfait. Bon, sinon ça, t'es bien sous le bureau? Oui, ça va. T'as de la place, t'es bien? Oui, avec le meuble en moins, j'ai de la place. Ouais, c'est mieux quand même. Hein. J'étais serrée. Ouais, là c'est mieux. Moi, écoute, je te laisse. Bon, ça va toujours? Oui, ça va toujours. Tu fais quoi? Je joue sur mon téléphone. Ok, donc bon ben, un 24 heures avec écran, c'est plus simple qu'un 24 heures sans écran. Oui. Forcément. Faut faire avec écran. Eh ben oui, forcément. Bon alors là, il est déjà alors. Moi, je regarde l'heure sur le réveil de Kélia qui est en avance. Donc là, il est 16h35 sur ton réveil.
Mais sinon, en réalité, il est 16h10. Mais bon, depuis le début, je regarde le réveil de Kélia. Donc, on se fie à cette heure qui est là. Alors, j'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est ? Alors, j'ai reçu un petit colis ce matin que j'ai pas eu le temps d'ouvrir avant. Donc, si tu veux l'ouvrir ? Oui, je vais l'ouvrir. Je pense que ça va beaucoup te plaire. Mais c'est pas que pour toi, en plus, pour une fois. Là, c'est aussi pour moi. Ah. Et oui. Donc, il y a un truc pour toi, un truc pour moi. D'accord. Alors, je te laisse ouvrir. C'est Ice Watch. Et t'aimes bien ? Oui. Nous, clairement, on est fans de leur montre. Qu'est-ce que c'est dedans ? Alors, là, je sais pas du tout ce que c'est. T'as une petite trousse en plus. Ah, trop cool. Fais voir. Rose flashy et tout pour l'été, c'est parfait. Avec écrit Ice Watch. Elle est trop, trop belle. Hein. Il y a plein de choses dedans. Et il y a plein de choses dedans. Une montre. Une deuxième montre. Waouh, mais on a été gâtés là. Et ça ? Alors attends, on va ouvrir après, ok ? Je sais même pas ce Alors, que c'est. Je n'étais pas au courant, mais on a reçu donc ceci. On va ouvrir après. Oui. La trousse qui est vraiment trop belle. Ouais, vraiment, j'adore la trousse. Ensuite, et ensuite, deux montres. On a deux montres. Alors il y a une montre pour toi et une montre pour moi. Donc on verra laquelle et pour qui. Un petit mot. Un petit mot. Alors moi, j'adore recevoir des petits mots quand on reçoit un colis. Donc il y a écrit Bidio Bichic avec la nouvelle collection estivale, la Ice Duo Chic. Bonne découverte, à bientôt Pauline. Donc bah merci beaucoup Pauline. Merci beaucoup. Nous en tout cas, on est vraiment fans de leur montre. D'ailleurs, moi j'ai piqué celle de Kélia. Kélia, elle la met tout le temps pour aller à l'école. Elle en a deux, je crois. Oui. Une noire et celle-là. Voilà, et donc bah, Kélia elle aimait pour aller à l'école. Et moi comme j'en ai pas, je lui ai piqué je lui en ai piqué une. Mais maintenant j'en ai une elle pour moi. Elle est trop belle la collection. Fais voir, tu me montres. Ouais, c'est vrai qu'elle est vraiment magnifique cette collection. Donc c'est la collection Ice Duo Chic. Et vraiment, elles sont toutes très très belles. Alors en tout, il y a 11 références. Voilà, le bracelet est en silicone bicolore. Le cadran irisé. Donc il existe deux tailles S et M. Donc voilà, elles sont vraiment trop trop belles. Et bah alors moi en fait, je pique une montre à Kélia car j'en avais pas. Donc tout le temps, je lui en pique une. Et je suis vraiment super bien dedans. C'est ça, elles sont super légères et tout avec le bracelet en silicone comme ça. Moi en tout cas, voilà, j'adore porter cette montre là. Mais maintenant, j'en ai une qui est pour moi. Et je suis trop contente. Alors nous, déjà, on va vous dire nos coups de cœur dans cette nouvelle collection. Alors moi, j'aime beaucoup celle-ci. Mais malheureusement, celle-ci, elle est que en taille M. Et moi, comme j'ai un tout petit poignet, il me faut un taille S, bah, comme Kélia en fait. Donc ouais, celle-ci, elle est trop jolie. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Celle-ci aussi. Ouais, bah presque en fait, hein. Celle-ci j'aime beaucoup aussi, celle-ci aussi, celle-ci aussi, celle-ci gros coup de cœur et celle-ci aussi. Bref, elles sont toutes trop jolies en fait. Hein. Moi j'aime bien celle-là, 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 celle-là. Oui bah tout aussi quoi en fait. Voilà, bon on sait pas choisir. Elles sont toutes vraiment très très belles. Donc bah on va découvrir les deux montres qu'on a reçues. Avant on va découvrir ça. Et ça je sais pas du tout ce que c'est, hein. J'en ai aucune idée. Donc bah écoute je te laisse ouvrir. Apparemment, vas-y. Déjà c'est rose. Ouais, alors déjà c'est rose flashy comme la pochette. Donc je te laisse découvrir. Qu'est-ce que c'est ? Moi j'adore les petits colis surprises comme ça. J'y arrive pas, maman, tu as bien mis ? Je vais t'aider. Alors, est-ce que tu y arrives ? Alors, c'est quoi ? Des lunettes ! C'est vrai ? Mais elles sont trop belles ! Elles sont magnifiques ! Elles sont trop jolies ! Des lunettes Ice Watch ! Mais je savais même pas qu'il y avait des lunettes. Trop bien. Elles sont des lunettes vraiment, de soleil. Elles sont trop, trop belles en plus. Hein. Et bon, on va les sortir. Il y a un petit porte-clés. Lunettes. C'est quoi ça ? Un petit truc. Bon, c'est quoi ? On va ouvrir la boîte. Oui. Alors, ce sont des lunettes de soleil comme ceci. Alors, elles sont en silicone pareil. Donc, comme le bracelet des montres. Elles sont trop belles. Elles sont trop chouettes. Bon, elles vont parfaitement bien en plus. Bah, pour cet été, c'est parfait. Elles sont trop belles. Et je vais mettre que ça. Ouais, vraiment, elles sont trop canons. Bon bah voilà, maintenant on le sait, ils font aussi des lunettes de soleil apparemment. Elles sont trop chouettes. Moi j'adore ces petits colis surprises comme ça, on s'y attendait pas, c'est génial. Et donc ça c'est quoi ? Ça sent pas ? Je pense que c'est juste un petit porte-clés.
Donc c'est des petites lunettes comme ça que je vous montre de plus près. J'adore. Moi aussi. C'est trop mignon, c'est trop trop chou. Bon bah super, hein, déjà la petite pochette qui est trop chouette, les lunettes, si, ça sent trop quelque canon. Chose. Fais voir. Oui, ça sent le neuf. Ça sent le neuf. Bon maintenant, on va découvrir les montres peut-être. Oh oui, les montres. Et ouais, et moi j'ai ma montre, je suis trop contente. Alors pour la paire de lunettes de soleil, il y avait aussi ça à l'intérieur. Donc ce sont, c'est une monture certifiée d'origine France garantie. Voilà. Bon, maintenant on va ouvrir les montres. Oui, les montres. Et moi, je suis trop contente car j'ai enfin ma montre à moi. Mais j'aime bien celle-ci aussi, hein. J'ai bien envie de la garder, moi. Elle est pour moi. Ben ouais, mais moi je l'aime bien celle-ci aussi, hein. Ben non, je la garde. Elle est pour moi. Bon, ok, je te la redonne alors. Bon, je m'en fiche, j'ai la mienne maintenant. Bon, alors on va ouvrir. Donc il y en a une qui se présente comme ceci. Et une comme ceci, donc déjà ce ne sont pas les mêmes. Alors moi j'ai un petit poignet, alors je prends une taille S, S. comme Kélia. M, j'ai peur que ce soit un peu trop large ou trop grand. Donc voilà, je préfère prendre S et bah, donc on va ouvrir. On va commencer par celle-là. Ouais, en tout cas je suis trop contente. Je suis trop contente, elles sont vraiment trop trop belles. Ouais, elles sont trop canon. Alors celle-ci c'est pour Kélia, voilà. Et donc celle-ci elle est pour moi et elles sont trop 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 belles. Bon maintenant on va les ouvrir de leur boîte. Même la boîte elle est trop canon. Elle est magnifique. J'aime beaucoup leur boîte aussi. Bon allez hop, on va ouvrir. Alors je te laisse prendre la tienne. Elle est trop trop belle. Elle est trop jolie, j'adore. Et donc en fait cette collection là, il y a deux couleurs au niveau du bracelet. Alors il y a l'avant du bracelet donc qui est blanc pour ta montre. Et l'arrière donc le dessous du bracelet qui est violet. Donc ouais, mauve un petit peu je dirais. Et elle est trop canon. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc voilà, le bracelet, là on peut voir qu'il est blanc. Et hop, derrière il est couleur mauve violet. Je vous la tiens. Vas-y, elle est vraiment trop trop belle celle-ci aussi. Elle est magnifique, hein. Je suis fan de ces montres. Ah ouais, mais nous aussi, hein. Moi franchement j'adore ces montres. Hein. Donc voilà, avec écrit Ice. Soit derrière comme c'est blanc. Ça. Et ouais, elles sont vraiment trop belles. Elles sont super légères. On moi franchement, j'adore l'avoir à mon poignet. Et ouais, elles sont trop belles. Toi c'est blanc. Fais et voir. L'autre côté, Donc moi c'est couleur nude. Voilà. Hop, si voilà, si on voit bien. Et derrière donc c'est blanc. Elle est trop belle celle-ci aussi, j'adore. Voilà, comme ceci, on voit mieux. Elle est vraiment trop belle. Hein. Trop canon. Donc là il y a écrit le Ice. Bref, moi en tout cas j'adore. Je suis trop fan de ces montres. Donc toi, elle est comment? Alors remontre-la moi de plus près. Hop, on va essayer de faire la mise au point. Voilà. Et donc toi, en fait, le cadran, il est de plusieurs couleurs à l'intérieur. Oui. J'adore, elle est trop belle. Elles sont trop belles. Toutes les deux, vraiment, trop canon. Il y a celle-ci aussi. Voilà. Et Kélia, elle a aussi une noire et rose gold. Donc qui est rangée. Et les piles, c'est cool car les piles sont déjà inclus. Ouais, c'est vrai, il y a déjà les piles à l'intérieur. Donc il y a juste à enlever le petit truc qui bloque et elle fonctionne déjà en fait. Il y a juste. On a pas besoin d'acheter des piles. Voilà, il y a la pile qui est fournie avec. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en plus, avec les grandes vacances d'été qui arrivent, on peut les mettre sous l'eau. Voilà, on peut les mettre sous l'eau. Donc ça, c'est vraiment bien pratique. Oui. Comme ça, on n'a pas besoin de l'enlever de notre poignet. On peut la garder avec nous tout le temps et la mettre dans l'eau. Donc ça, c'est cool. Bon, bah, en tout cas, moi, je suis super contente. Oui, hein. Moi aussi. Trop cool. J'adore. Moi, je suis trop contente. Aussi. J'ai ma montre. Donc vraiment, en tout cas, un énorme merci à Pauline de nous avoir envoyé ce petit colis. Merci beaucoup, Pauline. Je suis vraiment trop contente. Je veux dire, on est contente. Ah ouais, on est contente. Hein. Ces petites lunettes, là. Cette petite pochette aussi, en plus. Les montres. Ouais, vraiment, trop chouette. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, alors bien sûr, si on a un code promo, je vous le mettrai dans la barre d'infos ou juste ici lors du montage. Je vais essayer de voir ça pour vous avoir un petit code promo. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer ces montres aussi, donc oui. Vraiment, en tout cas, voilà, nous, on vous les recommande car elles sont vraiment super top. Et voilà, j'ai mis ma nouvelle montre. Je suis trop contente, elle est trop belle. J'adore. Donc, bah voilà. T'as récupéré la tienne, méchante. Et bien sûr, on vous met aussi le lien du site Icewatch en barre d'infos si vous voulez aller voir les montres qu'ils ont.
En tout cas, ils font vraiment plein, plein, plein de modèles, tous aussi magnifiques les uns que les autres. Voilà. Et voilà, Kélia a aussi mis sa nouvelle montre. Elle est trop, trop belle. Elle est trop belle. Donc là, on peut voir qu'il n'y a pas les chiffres au niveau du cadran pour avoir l'heure. Oui. Mais il y en a aussi, voilà, avec les chiffres comme celle-ci. Donc on prend vraiment comme on a envie, en fait. Par exemple, dans la nouvelle collection, il y a celle-ci avec les chiffres. Donc Kélia a beaucoup hésité entre les deux, oui, d'ailleurs. Et bon, pour changer un petit peu, elle a pris celle-ci. Il y a celle-ci aussi avec les chiffres. Voilà. Voilà. Et sinon, après les autres, il n'y a pas les chiffres dessus. Mmh. Mais bon. Et pour les lunettes de soleil, ce qui est top, c'est que, en fait, elles s'adaptent à notre taille de tête, j'ai envie de dire. Et elles sont super légères. Je les ai essayées et vraiment, elles sont super légères. Donc, voilà. Aussi confortables que les montres, en fait. Bon, alors maintenant, il est 17h. Écoute, je vais te donner un goûter peut-être, car t'as pas goûté encore. Oui. Et puis je reviens te voir après. D'accord, maman. Et voilà ton goûter. Merci, donc ce sont les nouveaux biscuits au Nutella. Ils sont trop bons. Ouais, ils sont vraiment super trop bons. Bon écoute, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, ça va? Oui, ça va, là je viens de faire un TikTok. Ok, alors il est 19h. Oui. Et t'as fait un TikTok? Oui. Ok, je regarderai ça après. TikTok. D'accord, et écoute, on mettra ton compte TikTok en barre d'infos et juste là lors du montage. Et voilà. Alors, le compte TikTok de Kélia, c'est celui-ci. Donc attention, car il y en a des faux, je crois. Fans. Ouais, non, il n'y a pas des comptes fans. Il y a des comptes qui se prennent pour toi, en fait. Ouais. Donc voilà, le vrai compte TikTok de Kélia. Hop. Bon, alors, une petite chose à propos de TikTok. Kélia avait un ancien compte TikTok avant, mais il a été supprimé. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Et donc, on en a créé un autre. Et donc, voilà. Mais oui, l'ancien avait bien été supprimé sans savoir pourquoi. Ouais. Donc, c'est pas grave. On n'arrive pas à le récupérer non plus. C'est pas grave, hein, j'en ai fait un autre. Voilà. Bon, alors sinon, il est déjà 20h. Oui. Donc, je t'ai apporté ton repas du soir. Ça va pour l'instant? Oui, ça va. Ok, donc ce soir tu vas manger une petite salade de pâtes mayonnaise bâtonnet de crabe coraya avec des bâtonnets de crabe à côté de la mayonnaise et des carottes râpées et du pain. Ça te va? Oui, ça me va. Ok, et je t'ai aussi apporté un grand verre d'eau. Là, il fait tellement chaud que tu vas manger du frais. Hein. Oui. Ce sera mieux. Je te laisse regarder, maman, pour si tu veux bien que je le mette. Ok, je regarde ça. Bon, ça avait l'air d'être bon. Oui, c'était très bon, en tout cas. Et tu fais quoi sur le téléphone pendant que tu manges? Je joue. Ouais, mais c'est pas normal. Mais si, c'est normal. Non, je ne crois pas. Ça va, je suis pas à table. Ouais, mais c'est pas une raison pour en profiter, mademoiselle. Profite pas. Si, un tout petit peu comme ça. Non. Bon, je te laisse finir de manger. D'accord. Tu as l'air occupée. Ouais. Je reviens tout à l'heure. D'accord. Bon, allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, alors, sinon, il est 23h passé. Et tu as l'air d'être fatiguée. Oui, je commence à être fatiguée. Donc, ça va être dodo? Oui. T'es bien installée, c'est bon? Oui, car je mets un coussin sous moi pour que ça soit plus confortable. Ok, donc ça devrait aller pour la nuit? Oui. Bon, écoute, je te dis bonne nuit alors. D'accord, bonne nuit, maman. Et puis, à demain. À demain. Bisous. Bisous. Coucou, Kélia. Coucou, maman. Ça va? Oui. Oui, bon, alors, il est 10h30. T'as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Tu fais quoi, là? Regarde la nouvelle vidéo de Roxane. Ah, moi, je l'ai vue en avant-première. Et c'est quoi, en fait? En fait, elle offre des cadeaux aux abonnés. Mais c'est trop génial. C'est trop chouette. C'est trop génial. Bon, ça. Kélia, sinon le facteur il est passé et j'ai reçu 2 colis. Donc est-ce que ça te dit qu'on ouvre ça là avant le petit déj? Oui. Oui. Je t'apporte ça alors. D'accord. À tout de suite. Bon, alors je t'ai ramené les 2 colis qu'on a reçus. Alors ce ne sont pas des collaborations. C'est moi qui ai commandé. Je pense savoir ce que c'est dans les deux. Moi aussi. Tu penses que c'est quoi? Que c'est soit coup de cœur ou soit Louis et tu boutique. Ok, je sais pas, peut-être. Il n'y a pas un autre truc que j'avais commandé? Peut-être Roxane. Peut-être. Peut-être que c'est là, je sais pas. Tu veux commencer par ouvrir lequel?
d'abord. T'es sûre de toi? Oui. T'es sûre de toi? Oui. Mmh. Celui-ci, c'est à la fin car il est lourd. Le meilleur, peut-être pour la fin car il est gros. Pour toi, Roxane. Tu penses que celui-ci, c'est Roxane? Oui. Bah, on ouvre celui-ci en premier alors, non. C'est mieux? En dernier? Oui, en dernier. T'es sûre? Le meilleur en dernier. D'accord. Bah, alors, on va ouvrir celui-ci. Alors, dans celui-ci, c'est quoi? L'unité boutique. Eh oui, alors on avait déjà fait une commande sur ce site qu'on vous avait montré d'ailleurs dans un hall. Oui. Et qu'il y a porté une des tenues d'ailleurs dans le 24 heures à Disney. Et donc là en fait j'ai pris quoi? Alors j'ai pris le même t-shirt pour moi, voilà, car je le voulais moi aussi. Et moi j'ai pris la jupe rose. Voilà, donc en fait je t'ai pris la jupe rose que tu as en noir. Et je l'ai pris, voilà, aussi pour moi. Je la voulais en noir mais elle était plus disponible en noir malheureusement. Donc je l'ai pris en rose, donc on aura la même jupe et le même haut. Et comme à chaque fois, il y a plein de confettis. Bon, maintenant on fait quoi? Attention à l'adresse surtout. Roxane. T'es sûr que c'est Roxane? Oui. T'es sûr, sûr, sûr? Oui. Bon, on ouvre alors? C'est rose et ça m'étonnerait que ce soit pas Roxane. Peut-être. Qui dit rose? Qui dit Roxane? Bah, Roxane a fait que des trucs roses. Bah oui. Bon, allez, bon oui. Alors j'ai préouvert et je te laisse découvrir alors ce qu'il y a dedans. C'est Roxane. T'es sûr? Ouais. Et donc Kylian n'est pas au courant de ce que j'ai commandé hein. Si, l'agenda, tu sais, mais l'adresse, tu sais pas. Alors, il y a quoi? C'est son nouveau stylo 4 couleurs. Non, il n'y a pas 4 couleurs. 8 couleurs plutôt. Ouais. Fais voir. T'es contente? Oui, trop. Tu me le montres? Hop. Alors en fait, je lui ai pris le stylo 8 couleurs by l'atelier de Roxane. Voilà, comme ça. Elle avait déjà un stylo de Roxane d'ailleurs, mais là voilà, j'ai pris celui-ci. Et ensuite, c'est quoi? Là, j'ai des choses dedans. Un tablier. Non. Ah, en fait, c'est le blister qui a changé, qui est comme ça maintenant. Et c'est quoi alors? J'ai pris tout ce qui était nouveau presque. Bah, j'ai pas tout pris, mais j'ai pris quelques petits trucs qui étaient nouveaux, ouais. Il est trop beau, mais il est sucré. Il est trop beau. Et donc en fait le blister il est trop canon, oh. Regarde, il est trop trop beau, oh, vraiment j'adore, trop joli, et le t-shirt il est trop canon. Donc voilà, je t'ai pris le bisou sucré. Et l'agenda. Alors voilà le t-shirt bisou sucré, l'atelier de Roxane, il est vraiment trop canon. Donc là il y a l'étiquette, donc j'ai pris 12-14 ans, j'avais peur que le 9-11 soit trop juste. Et apparemment, il y a une recette sur l'étiquette. Alors moi, je vais voir ça, je suis curieuse. Alors, elle est où la recette? Alors, il y a bien une recette. Et là, c'est la recette du pain perdu. Mais c'est trop génial. Bon, alors déjà, la qualité du t-shirt a l'air vraiment top. Oui. Et c'est juste trop, trop, trop canon. C'est trop, trop j'adore. Beau. Et donc, t'as l'agenda? Il est dédicacé. Eh oui. T'es contente? Oui. Oh, il a des autocollants derrière. Alors, montre-moi cet des agenda. Autocollants. Il est trop, trop, trop canon. Attends. Il a des quiz. Génial. Il est trop beau. Des BD. Ouais. Il y a et plein des de recettes. Choses. Et des recettes. Et attends. Et dans... Chaque mois, il y a une petite photo. Tu connais tout en fait? Bah oui. Bah oui. T'as déjà l'ancien. Oui, t'as déjà l'ancien. D'ailleurs, mettez plein de pouces bleus à cette vidéo. Si vous voulez que Kylia vous fasse une vidéo où elle vous montre tout ce qu'elle a de Roxane. Ça pourrait être cool. Oui. Donc mettez plein de pouces bleus à cette vidéo. Comme ça, Kylia vous fera une vidéo où elle vous montre tout ça ce qu'elle a de Roxane. Septembre. Ouais, septembre. Ils sont trop beaux. Attends, Mathis et Louane. Ce mois-ci, c'est l'anniversaire de moi. Toi, c'est le 3 septembre, ouais. Ce mois-ci, je n'oublie pas. Bah, il est génial, cet agenda. Oui. Fais pas la couverture devant. Il est trop beau. Il est magnifique. Trop canon. Bon, t'es contente? Oui, trop contente. Merci, maman. Je suis vraiment trop, trop, trop contente. Bon, bah voilà. Surprise réussie. Oui. Je t'avais rien dit, hein. Je savais que j'avais l'agenda. Ouais, car je savais que tu le voulais, mais dédicacé. Donc, je te l'ai commandé sur la boutique. Et j'ai commandé jeudi dès 8h du matin. Et on est quand? On est samedi 22. Ouais, ça a vraiment été super rapide. Ouais, ça a été rapide la livraison. Vraiment trop chouette. Je savais que j'avais l'agenda. Et mais tu savais pas pour le t-shirt. Dès que... Et il est où le stylo? Il est là. Et dès que j'ai... Il est trop beau. Me dit, j'ai commandé, je dis, maman, est-ce que j'ai un stylo? Est-ce que j'ai le cartable? Toi, tu voulais tout. Tu voulais le sac, la trousse, moi, tout. Moi, j'aimerais trop avoir le cartable et la trousse pour l'école. Bah, on va voir ça.
si t'es sage. Puis t'as un anniversaire bientôt. Ah bah c'est vrai, j'ai oublié. Donc on verra si t'es sage. Bon, écoute, je te laisse maintenant. Bah va mon goûter, viens mon déjeuner. Oui, je t'apporte ton petit déj. Et puis bah voilà. Oui, je suis trop contente. Bon, alors Kéké, voilà ton petit déj. Merci maman. Bon, il est déjà 11h. Oui. Bon, c'est le week-end, hein, donc c'est pas grave. Donc tartine de Nutella avec du jus de pomme. Donc ça te va? Oui, ça me va. Bon bah super alors. Bah écoute, je te laisse déjeuner. D'accord. Et puis bah je reviens tout à l'heure. D'accord. Sachant que le challenge se termine à 13h. Oui. Donc là il est 11h. Donc il te reste 2h. Oh oui. Et après tu pourras sortir de là. Enfin. Bon allez, je te laisse manger. D'accord. Bon alors tu fais quoi? Bah en fait je vais un peu avec Iliana et en même temps je slime. Ok, d'accord. Donc bah coucou Iliana. Donc bah écoute, il est 13h. Oui. Donc ce 24h se termine. Oh oui. Donc t'es libre? Oui. Donc bah voilà, c'était comment? C'était bien, je préférais ce 24h là que dans mon armoire. Car? Car là, car j'avais plus d'espace. Ouais, c'était un peu serré dans l'armoire. Oui, c'était méga serré. Là au moins t'avais de la place, donc c'était cool. Puis bon, t'avais surtout les écrans. Voilà, et c'est plus simple quand il y a les écrans. Ouais, t'avais aussi les écrans, ouais. Mais à 24 heures sans écran, c'est plus compliqué qu'à 24 heures avec écran. Oui, c'est plus dur. Et aussi 24 heures dans mon lit, bah c'était bien quand j'étais dans mon lit, mais sans écran, quoi. C'était dur. Oui, donc celui-là, il était bien. Oui, il était trop bien. Bon, bah on stoppe maintenant. D'accord. Bon, maintenant, je vous fais plein de bisous. Mettez des pouces bleus surtout. Abonnez-vous, ciao, ciao, bisous.